Merci Seigneur, le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Rappelez-vous avec vous l'église. Amen. Donc, dis bon Dieu merci pour nos chances et privilèges. Il y a quoi de nom pour nous capables la matin. Hein? Pour nous capables et écouter le message dont Dieu a appelé. Et aujourd'hui, nous on va parler autour de la famille. Et la vérité à chaque monde qui est là pour moi annonce. Et parce que nous avons dit là aussi que par rapport à la famille, 3 heures, ou même qui marié, ou qui est avec madame, ou qui est marié, ou même qui est plan marié. Il est important pour capable de prier 3 heures, mariage par jardin. Et même jardin, même, soit rentré dans le jardin. Donc, il y a une façon pour rentrer. Et il y a des bagages qui ont besoin de connaître. Il y a des bagages qui sont déjà, il est capable. Pour vous rappeler, c'est ça, nous connaissons pour l'essence pas qu'on drop. Et d'abord, si vous avez dit que nous vivons ensemble avec moi, et je ne parle pas dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 24, ici tout verset 24. Non? Et d'autre part, Matthieu chapitre 19, verset 1 à 10, Genèse chapitre 2, verset 18 à 24, on a prêté en face sur le quatrième verset. Hein? Et puis Matthieu, chapitre 19, verset 1 à 10. Le quatrième verset dans Genèse 2, verset 24. Non? Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 1 à 10, nous lit. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée et au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Un pharisien l'abordait et dit pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? À qui il dit, c'est pourquoi l'homme guidera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il Moïse? A-t-il permis de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de ce mariage. Par contre, l'offre
texte ça là, nous a ça dit au par rapport à mariage. Les disciples disent, après avoir fait dans des conditions de mariage, non. Disciples, Jésus dit, mon cher, c'est bon, ça va aller là. Est-ce qu'on peut être marié? Parce que les opposés de Jésus-Christ n'ont pas cette question, ils pensent que le mariage là, ils ont la vie, ils ont la vie vague. Pour nous faire sauver, ils ont oublié. Eh bien, je dis, est-ce que c'est qui avantage? Jésus qui a avantage pour l'homme pour marier avec la femme. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, la famille, en général, le mariage en particulier, les résultats aux côtés dans la société, c'est un bagage qui est à la fois triste et sombre. Nous constatons que aujourd'hui, le monde arrive dans un point côté que le presque explosé par rapport à ça que la donne, ça qu'on a fait, et tout ça y a découlé de mauvaises familles. Y a découlé de gens qui vivent. Y a découlé de l'homme qui n'a pas considéré le mariage, qui n'a pas pris un mariage là dans son contexte et selon sa réalité. C'est ça que fait aujourd'hui. Hein? Nous voyons qu'on va dire qu'on va lever peut-être pas et qui éventuellement pour aller délinquant dans la société. Hein? Et nous gagnons un petit monde qui lève pas yon seul dans le parent. Soit pas maman seulement. Ou bien, papa seulement. Et il y a des gens, malgré, il y a levé dans mes mains ma papa, mais des gens, ils n'ont pas élevé bien vrai, parce que, en plus, les parents ont démissionné. Et surtout, messieurs, en plus, messieurs, ils ont été pour là, et les gens ont grandi. Je vais ça ouvrir. Quand on comprend notre petit monde sorti de l'évré, il va dire que l'évré, par exemple, il va dire qu'il est sorti. Ou bien, si on va parler avec lui, et puis quand il est voir, et puis tout parent fait silence. Alors, c'est que je dis, nous vivons tout un ensemble de scénarios qui sont résultats de mariage. Soit mariage, ils n'ont pas fait selon le Seigneur, ils n'ont pas suivi le principe. Ils ont bien quitté ça dans la société, ils n'ont pas besoin de marier. Et ceci, même mariage chrétien, et même si nous que mariage, selon ça, on lit à la fois dans Genèse et Jésus-Christ cité, répété dans Matthieu chapitre 19, nous voyons que mariage, son bagage qui fait pour toute la vie. La Bible ne reconnaît pas le divorce. La Bible n'est pas d'accord avec le divorce. Mon Dieu, pas reconnaît le divorce. Et si vous regardez dans Genèse, texte dit clair dans verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, ils feront une seule. Et vous parlez bien, lorsque Pharisien pose Jésus une question dans Matthieu chapitre 19, Jésus dans verset 50, et il dit, monsieur, est-ce que vous n'avez pas lu ça? Ce sont des pharisiens, bien entendu. Qui t'appellent le texte, qui connaissent bien. Mais pourquoi vous avez posé une question ça? Il y a un texte qui s'est éprouvé, le quoi on appelait un piège.
parle de monsieur yo yo parle l'ouvrir aux fenêtres, yo parle l'ouvrir porte pour parler de divorce, bien pour faire Jésus-Christ accepter le divorce. Qui ça au fait yo cité Moïse dans l'Ancien Testament qui était d'accord pour mon qui est capable de faire une question par le lettre de divorce, Moïse est d'accord. Pour l'être là, qui est capable de faire. C'est donc que Dieu cela a dit à Jésus, bon, Moïse est d'accord, et lui ou pas d'accord. Et c'est ça qui fait que Jésus-Christ avait fait différence pour monsieur yo. Entre choses obligatoires, choses recommandées, choses permises. Pour mon avis, j'attendais, moi, pour les que nous disons que par rapport à ça qui est écrit, surtout dans Matthieu chapitre 19, que Jésus-Christ citait, a considéré sa volonté de faire, comme une chose permise, une chose obligatoire, une chose obligatoire sur un mot de fait. Une chose recommandée, ça veut dire pas obligatoire, mais non sujet que ce soit de faire. Mais une chose permise veut dire que nous ne sommes pas d'accord nécessairement, mais nous pouvons faire ça pour capable faire. Et puis c'est cette réalité que Jésus-Christ a expliqué là par rapport à la permission que Moïse débaille à monsieur Yopio Babelani en lettre de divorce en cas d'infidélité. Et ici, là, on a parlé de d'infidélité, parce que l'infidélité n'a pas un paquet de bagaille. Mais typiquement, mais vous parlez que même dans le cas ça, Jésus-Christ dit Moïse de vous bailler le divorce parce que conquérir l'homme Dieu. Même dans le cas, pas d'idée. Parce que dans le commencement, ce n'est pas pour ça la réunion même mieux. Cette question de répudiation, si on avait dit contre eux, la volonté de Dieu, parce qu'une fois que par le mariage, ou faire une seule chair avec mon nom, ou pas qu'à séparer de mon ça encore par propre volonté. C'est ça qui fait que la Bible pas accepté le divorce. Le divorce est contre la volonté de Dieu et dans tout sens. Donc il y a dans plein de monde qui va évoquer un paquet de raisons. Ouais, nous entendons. Mais, on ne peut pas réfléchir après le mariage. Et ça fait que dans l'histoire de l'Église, nous gagnons Augustin qui comparait le mariage avec une pierre, avec une roche qui est à terre, que vous ne pouvez pas le voir. Augustin dit qu'on s'agit de l'homme roche à terre pour qu'il pouvoir vous prendre roche ça ou vous garder roche là à terre. Mais debout de vous avez roche là, vous voyez roche là, une fois que vous voyez roche là, vous allez faire encore. Roche là, vous allez dans la toilette et vous allez vous prendre roche là, vous allez faire ça. Et vous avez Augustin dit que avant que vous voyez roche là, vous voyez une nette. Et c'est pour ça avec le mariage, une fois que vous rentrez dans le mariage, ou rentrer dans le mariage la dette. Ils ont toutes les réflexions qu'ils ont fait, tous les raisonnements qu'ils ont fait, ou qu'ils ont fait avant le mariage. Mais si vous êtes en fin de marier ou marié, soit juste qui retourne ici, il a retourné dans un moment loin, ou bien jusqu'à la mort. Et tout le monde qui est marié, qui est divorcé, eh bien, ou marié, l'autre étape de nous, c'est un fait. Et deuxième mariage qu'on fait avec Dieu, va connaître son mari encore. Et même si on dit qu'on divorce ou venir seul, ou toujours qu'il y a un mari qu'on principe qu'on viole, que vous êtes marié avec mon monde, on dit oui à mon ça, et puis tard pour des raisons quelconques, vous séparez avec mon ça. Et ça fait que nous-mêmes, lorsque nous prononçons le mariage, nous déclarons nous mariés et femmes, nous faisons ça au nom de Dieu, au nom de l'État.
Parce que dans notre société, donc tout d'abord l'État, lui-même il quoi fait, au nom de l'État, certainement, par pouvoir que l'État va nous, on passe à sermenter, nous déclarer notre mariage, mais surtout au nom de Dieu. Et ça fait que nous toujours été nous en garde pour ne pas marier la carte officier d'État civil comme chrétien. Parce que mariage qu'on fait devant officier d'État civil, là on fait seulement au nom de l'État. Et ça va voir le c'est pour bagage qui l'ont qui habite qui connaît ça. Il y a la même pour lire des trois articles, et puis on lit et article, et puis il faut faire quelques promesses, tout le temps va vivre avec nous ensemble. Officier d'état civil, pas faire mon faire et promesse jusqu'à là pour vivre avec mon et dans santé, dans maladie, laisse ça pas bon et jusqu'à là mort. Et bien ça, officier d'état civil là. Dis-moi. Ça veut dire que officier d'état civil là, il faut connaître que vous devez vous faire un paquet de bagailles et assistance tout le temps nous ensemble. Et tout le temps nous ensemble. Quand je ne suis pas enfant avec un mot, donc pas de rien. Et ceci, il ne vit pas pour divorce. On va nous créer sur ça. On va dire, il va te mettre dans l'église et vous allez vous dire, il va marier devant officier. Oui, vous n'avez pas, il dit, vous savez, il faut marier devant officier. Il y a devant l'état de mariage à l'inconnu. Mais c'est un mariage qui est fait selon les principes de la Bible. Ce n'est pas même mariage. Il faut nous créer sur ça. Je dis à nous-mêmes comme nous-mêmes chrétiens. Parce que mariage qui fait au nom de Dieu, son mariage que nous-mêmes, évangéliques, qui s'apprêtent à nous continuer maintenant, ça et nous créer sur ça, c'est que mon Dieu ne reconnaît pas le divorce. Dès qu'on divorce, et bien, on va vivre avec l'autre pour vivre dans le péché. Et même si on ne peut pas vivre avec l'autre pour vivre dans le péché, vivons dans le péché, vivons dans la vie de façon séparée, et bien nous violer vœux que nous défaits. Et ça veut dire que le mariage, une fois conclu et consommé, de mon saillot, il y a l'âme pour vivre jusqu'à la mort. Et en songeant que nous parlons de deux mots ici, nous parlons de mariage conclu et consommé. De deux mots, ils ont assemblé mais aux différents. Mariage conclu et consommé. Mariage conclu, rédigé mariage là, vous faites dans l'église là. L'église que nous venons prononcer pour nous marier femme et le mariage ça est conclu. Mais un mariage conclu, pourquoi consommer? Parce qu'il est consommé avec le sexe. Une fois que vous arrivez dans la relation sexuelle, mariage là consommé, là pas gagné qu'à faire encore. Parce que même après la conclusion du mariage, au mariage, nous mettre un fin là-dedans. Même après la conclusion du mariage. Pas qu'arrivé que et nous fûmes déclarés mariés mari et femme, au nom de Dieu, au nom de l'État, mais il y a des raisons qui arrivent que nous avons déclaré mariage ça et ex initio. Ou bien ab initio. Arrêtez que lorsque nous déclarons mariage là comme ça, arrêtez que mariage là pas déjà initié. Mais ça a fait avant mariage là consommé. Mais dans quel cas que nous avons dans quel cas que nous avons c'est lorsque mariage ça a violé quel principe de base. Principe de base, capable, sans quoi le dire là, comme exemple. Nous-mêmes, comme chrétiens évangéliques, l'idée évangélique nous claire sur ça que nous ne pouvons pas entrer en relation sexuelle avant le mariage. Amen. Je n'ai pas le droit à vivre dans la fornication. C'est-à-dire avant de marier, ou pas le droit d'entrer en relation sexuelle. Ça, l'éclair devant nous. C'est ça qui fait que nous connaissons dans le moment que nous aimons, c'est le moment où nous connaissons l'autre, pour nous parler. Mais ce n'est pas le moment pour nous entrer en relation sexuelle. C'est ça qui fait que nous clair
de vie des jeunes, ils ont aimé, ils nous craignent et ils ont proposé une relation sexuelle. Et c'est ça le dame de Kébé, c'est ça le sion de Kébé. Qu'on y a là, si un jeune a Kébé, il peut cibler l'éclair sur ça, et puis qu'on y a là, lui-même il craint que mon petit par marié, ça va être personne, mon petit par conjoint, on va créer une relation sexuelle. Qui voulait dire que vous avez bien, je crée que vous sanctifiez. Et que là, il finit marié avec qui signifie que le mariage est accompli, le mariage est consommé, et puis il va être compatible. Et vous avez dit que vous avez marié avec votre fille, et vous avez son grand fille. Eh bien, à ce moment, l'EUSA, il a retourné côté nous encore. Puis il dit nous que, mais ça vivait. C'est nous, nous avons parlé, nous avons entendu la relation sexuelle, il était bien lui, mais pour avait dit ça, ouais. Eh bien, les vêtements de l'EUSA, eh bien, nous-mêmes, nous avons réuni quelques-uns encore avec lui, et bien, nous avons déclaré que l'EUSA n'a jamais initié. La dimanche a été annulée. La mariage n'a pas de jambes faites. Et vous nous déclarez que nous savons encore, il retourne, il dit papa, il va madame, Marie, va rester marié, il n'y a ou bientôt, dans même idée que nous ne pouvons pas jouer avec nous avant de nous marier, et que nous-mêmes nous reconnaissons que depuis ces garçons qui l'ont adopté et qui ont cheveux coupés, qu'on s'est fait des chemises, qu'on s'est fait des pantalons, tout le temps, qu'on s'est fait des souliers, nous réveillons aux garçons, ces garçons nous réveillent. Même Jato, depuis ces filles, nous avons cheval long, et qui toujours mettent des corsages, qu'on s'est fait des jupes pendant toute vie, nous réveillons aussi. Et là, c'est beaucoup de nous qui l'ont, parce qu'on ne connaît pas de corps, mais de façon propre, vous connaissez les filles, oui. Et bien, c'est pour ça, mon jeune garçon, eh bien, Kawon, il parle avec vous comme fille. Ou bien tout, comme fille, on besoin de parler avec vous, ou est-ce que le garçon parle avec vous, ou d'abord, si nous vivons dans le mariage. Pourtant, après le mariage, les nourris viennent dans la chambre, eh bien, si vous êtes garçon, qui sont ouais, on attend nos filles, et bien qui sont ouais, sont dans les gammes. Quand balancé, vous pouvez vous marier à vos filles, comme garçon. Ou bien, comme fille, vous pensez qu'on est marié avec un garçon, et bien leurs parents qui sont ouais, sont wash-plat. Eh bien, à ce niveau, eh bien, parce que nous-mêmes, nous marions garçon-fille, nous ne marions garçon à garçon, ni femme-femme. Eh bien, là où on marie comme ça, on va faire que nous côté nous, eh bien, nous déclarons le mariage là à initio, qui veut dire que le mariage n'a pas jamais initié. C'est ça que nous parlons de mariage consommé, parce que le mariage là a conclu, mais il y a quelques autres bagailles, que le mariage nous est chute à souligner. Et que l'autre barre ou pas, ouais, j'en ai bagaille ça, ouais, l'autre bagaille, et le mariage n'a pas consommé à ce moment mariage ça, et bien, il est capable d'annuler à ce niveau. Mais depuis que nous pouvons arriver dans le décret ça, et bien, depuis nous finissons par ce décret ça, et bien, ou pas qu'à séparer encore. Voilà, au moment où nous venons apparaître devant nous, nous finissons célébrer le mariage, mariage compris, mariage consommé, et puis, on reste sur quelconque, et vous finissez nous consacrer, et vous nous guérissez des mariages ensemble avec les gens, et bien, on reste sur quelconque, et vous séparer avec vous, et vous pensez que nous avons d'accord ça. Nous sommes d'accord. Et. Moi, le chrétien, c'est nous qui avons le mariage chrétien, nous avons le modèle. Amen. Pour le monde. Nous qui va convertir, et on a doué, voulez marier, on a doué, on a vivre, et puis on voulait marier tout. D'ailleurs, mariage par nature, c'est pour le monde qui converti. Son mariage spirituel que lié, parce que son vœu comme ça. Même si le monde qui va convertir marié, ils ont copié sur l'évangile, mais son mariage dans la Bible. Mariage, garçon avec fille. Pourtant,
Gen yon recherche ki mene par yon group ki rele Barnabo nan antre 1999 et 2001 son mariage yo. Men ki sa recherche yo yo men yo jwenn. Yo jwenn ke nan mariage ki fèt yo nan mitan juif 30% mariage nan mitan juif termine avec divorce. Ben ba bon Dieu juif. Dans mitan chrétien évangélique, en pour moi là avec vous, chrétien évangélique, 27% terminé avec divorce, et puis l'autre chrétien, pas chrétien évangélique, catholique, mais il doit mettre dans et chrétien, de manière Jéhovah, là, et comme ça, et bien, il fait 24%, et puis dans mitan athée, il fait 21%. Haïti que là, c'est dans la vie. Dans athée en général, 21%. Chrétien, les deux mois chrétiens, évangélique plus l'autre chrétien, qui dans le chrétien évangélique, combien nous disons 27, l'autre chrétien 24, 24 plus 27, ben 51%. Dans le chrétien, fini avec divorce. Pourtant, on a mis dans la tête 21%. Mais c'est intéressant. L'arrivée là, mais ça nous est fort avec notre recherche. On dit bon, comment faire dans le chrétien, moi qui converti, mariage à une recherche prouvée que, mais ça y est, plus tombé par ses mêmes athées. Et songez que, là, on a parlé de divorce. Nous ne parlons pas de séparation. Parce que il y a une différence entre divorce qui sont bagailles légales avec séparation qui se bagaille pour nous faire de façon volontaire. Pour ça, va même arriver devant l'État, mais ils sont séparés. Ils ont 5 séparations. Et pendant que je dis ça là comme pasteur dans l'église évangélique de Vaudreuil, et ma pensée à des gens qui partent divorcer mais qui se séparent. Oui, pendant ma petite salle, plusieurs gens ont passé dans des temps là. Ils ne partent pas divorcer, mais ils se séparent. Et pendant ma petite salle, il y a des gens qui ne se séparent pas, ils ont une autre fille. Ils n'ont pas pensé qu'ils ont mal de mal, mais ils ont une autre fille là, et fière de l'autre garçon. Déjà. A dit, vous ne pouvez pas être devant l'État pour divorcer. Mais vous ne pouvez pas prendre qui vous avez dit encore. Parce que, il y a des gens qui se séparent avec vous, vous comprenez que, il y a une fille là, quand elle est vertie, vous avez. Fille à même. A dit que même si vous avez dit, vous voulez retourner encore, vous avez dit que c'est très compliqué. Et qui est nous qui séparait dans le même caille. Caille là, on te fait caille là, et puis on a passé chacun dans la chambre. Dans le caille là, tout le monde s'en sépare. Il n'y a pas de l'autre pour nous. Il n'y a pas de l'autre caille, mais on ne va pas connaître si il n'y a pas de l'autre pour nous. Mais il n'y a pas de l'autre caille, on est dans le même caille là, mais chacun dans la chambre. On a pas de l'autre qui est compliqué, on est dans la même chambre. Il y a des gens qui séparent, on est dans la même chambre. Bon. Yeah. Ah, mais tu dis, il y a une chambre, un gros cabane, un petit cabane. Une chambre, il y a une chambre, un gros cabane, un gros cabane, un petit cabane. Et il y a un monde qui couche à terre. Mais il y a une chambre. On est là, on a un même cabane. C'est ça, c'est très compliqué. On a un même cabane, on a couché. Mais on s'est marié. Nous couchons dos à dos. Ouais. Et des fois, on couche tête en bas. Ah oui, on a un là. On a dit l'autre jour. Il a monté des sangs. Et il couche à vous. Couche à vous, l'homme. Il va parler. Il s'est séparé. Ah oui, on a un là. Dans tout ça, ça va pas dans 51% de la détruire. Ah, c'est l'autre catégorie.
l'autre catégorie de monde. Et donc, je vais souligner ça. Il y a des gens qui sont passés, les élevés, si c'est garçon, les garçons sont élevés, et puis pour un petit compte, soit déposé en montagne. Je ne vais pas dire que vous ne pouvez pas garder en montagne. Je ne vais pas dire que vous ne pouvez pas garder en montagne de nuit, ou bien si c'est de nuit, vous avez un petit compte quand même. Elle dit qu'on est allé là, on va comme là. Dame d'aller là, ils vont comme là. Et là, ils vont ils vont y manger. Elle dit qu'ils vont manger, ils déposent au table là. Souvent. Je dis, on va manger même. Mais mettez à terre, souvent, pas. Ouais, ouais. Ils ont lavé tout. Bon là, ils mettent quelques grammes. Ils font manger, ils déposent au table là. Mais ça, comme si ils étaient honnêtes. Et des fois, ils ne peuvent pas manger. Ils ont tout mis manger, manger. Et bien c'est pas le parti mon. Et bien manger. Et bien caïda. Ça au paradis. Ça veut dire que ça fait objet de recherche. Et on dit, qui ça fait ça? Qui ça fait ça? Et bien, toujours même recherche, il y a joué sept cas, sept causes. Qui mène là parmi toutes les causes. Donc, il m'a cité pour brièvement. Numéro 1, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est d'être pas. C'est le moi, c'est la séparation. Chaque monde est affaire à eux. Ça veut dire, égoïsme, son premier départ. Chaque monde est trop à eux. Ça c'est comme un fier, ça c'est comme un fier. Et si fille a besoin, on va avec quelqu'un, il besoin d'un fier, c'est prêter puis prêter. Vous êtes aussi comme non. Comme il va pour tout le monde, c'est prêt. Ça dit ça, c'est un petit comme. Vous êtes aussi comme. Et quand il y a la fille comme ça, vous pouvez remettre, vous êtes toujours pour comme vous. A dit que ça c'est pour moi que il y a tel espace, c'est pour moi, mais qui rate si à vie, chaque monde a fait à yo. En dans même cas, ça c'est l'égoïsme, c'est moi, il dépend. L'égoïsme comme le départ. Deuxièmement, on parle de secret, qui gagne en mitant mon yo. Troisièmement, on parle d'exaltation spirituelle, la mitant chrétien. Le mot exaltation spirituelle. Le mal d'exaltation spirituelle, c'est une bonne activité, on va être comme ça, que c'est mon Dieu qui m'arrive, on va être comme ça. Et si mon absorti, monsieur Adava dit que parler, il dit non, c'est mon Dieu qui observe. Et il y a mon lundi, mardi, mercredi, jeudi, chaque jour ça va avoir une activité quelconque. Il est monté dans tête monde. On ne va pas parler avec eux. Hazard, c'est exaltation spirituelle, on sait qu'il est de ce monde, on en dit non. Et souvent, nous disons ça par rapport à ça, dans les bagages. Il y a des gens qui sont mariés. Merci à moi, je suis pour la madame. Ça, il ne va jamais faire la journée. Celle-là, à souhait. Est-ce qu'il me fait mentir? Deuxièmement, ça souhait, mais c'est l'enfer qu'on fait droit. Amen. Que nous amènent. Connaissez vos bon Dieu dans mon lit. Capable d'ouvrir les yeux, non? Yes. Oh, non, ouais. Parce que la réalité a 15 yeux, nous parlons, ouvrir les yeux. Quand il y a des qui vivent, nous parlons, ouvrir entendement, non. Seigneur, compréhension, pour nous capables de comprendre, montrer nos routes là, papa. Et puis nous allons devant, pour nous tracer les routes par nous, mais pour nous suivre, routoir, afin que nous capables vivre bien avec madame, yo, nous vivons bien avec Marie, yo, nous capables vivre bien avec Simon. Yo, pour nous vivre bien avec parents, et bien ensemble, nous allons faire route là ensemble, route pour Sion. Et puis je vous dis à pour tout le temps, pour tout le temps. Amen. Amen.
merci pour te donner, non? Pour